Bonjour, Éric Martin, je suis chirurgien dentiste. Je voudrais vous parler d'un problème qui me touche particulièrement et qui me fait réfléchir depuis longtemps. Cela fait plus de 25 ans que je fais ce métier et je me pose plusieurs questions. Je suis dentiste, j'ai peur du dentiste, mais j'ai quand même 3 implants, 8 couronnes. Comment en suis-je arrivé là? Quand j'écoute mes patients, que me disent-ils? Quelles sont les phrases qui reviennent le plus souvent? Je vais régulièrement chez le dentiste, mais mon dentiste me dit que j'ai des caries, je ne comprends pas. Ou alors, j'ai fait soigner mes dents, il n'y a pas longtemps, mais elles se cassent à nouveau. Que se passe-t-il? Malgré mes visites régulières chez le dentiste, j'ai toujours des douleurs dans les dents. Ou bien encore, j'ai de gros plombages dans la bouche, mais je ne trouve pas cela très joli. Que peut-on faire? Mon dentiste me dit qu'il faut enlever mes plombages, mais je n'ai pas mal. Est-ce que c'est vraiment utile? Qu'est-ce que j'entends souvent encore? Ah oui, mon dentiste me propose de remplacer mes plombages par des composites. Est-ce que c'est une bonne chose? Voilà encore quelque chose que j'entends très souvent. Je ne comprends pas pourquoi j'ai des implants et des couronnes. Je suis pourtant allé régulièrement chez le dentiste parce que mes parents avaient de mauvaises dents et je ne voulais pas que cela m'arrive. Autant vous dire que toutes ces questions m'ont fait réfléchir. Où est le problème? Savez-vous seulement comment se font les soins dentaires? Je vais vous expliquer comment cela se passe. Lorsque vous avez une carie, vous allez chez votre dentiste. Après avoir fait l'anesthésie, votre dentiste enlève la carie ou l'ancien plombage qui était abîmé. Une fois ce travail effectué, la dent est propre et soignée, mais pas encore bouchée. Pour finir le travail, votre dentiste va remplir le trou avec un matériau, en général du plombage. Mais dites-vous bien qu'en remettant un plombage, on n'empêche pas qu'une carie se reforme. Et c'est là que se situe tout le problème. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'un plombage n'est pas réellement étanche. Eh oui, un plombage, c'est du métal. Mais le métal ne colle pas sur les parois de la dent. Le plombage tient uniquement parce que le trou dans la dent est plus large au fond qu'à la surface. Une fois durci, le plombage ne peut plus sortir. Il est coincé dans le trou, mais il n'est pas collé. Si vous prenez un microscope, par exemple, vous verrez que le plombage n'est pas étanche, même si le dentiste fait correctement son travail. Je vais essayer de vous trouver une image. C'est exactement comme mettre un toit pas étanche sur une maison nouvellement construite. Qu'est-ce qui va se passer? Tout va pourrir dans la maison. Eh bien, dans la dent, c'est exactement pareil. La salive et les bactéries vont s'infiltrer entre le plombage et la dent et c'est pour cela que les caries se reforment à nouveau. Pour mieux comprendre, imaginez que les bactéries sont des termites. On ne les voit pas, mais elles sont bien là et font leur travail de destruction, lentement, mais sûrement. Peu à peu, la carie se reforme et s'étend sous le plombage. En définitive, ce qui vient d'être fait sera souvent à refaire au bout de quelques temps, mais avec une conséquence fâcheuse. Le dentiste est obligé de creuser encore et encore votre dent. À votre avis, pourquoi faut-il souvent dévitaliser les dents, c'est-à-dire tuer les dents? Tout simplement parce que, à force de creuser dans les dents, le dentiste finit par arriver sur le nerf et il est donc obligé de dévitaliser pour que le patient n'ait pas mal. Cela n'est pas anodin quand on sait que plus de 30 à 40% des dents dévitalisées présentent ensuite des infections ou des fractures qui conduisent très souvent à des extractions. Je pense que maintenant vous comprenez mieux pourquoi vous avez des dents dévitalisées et des dents extraites. Je voudrais passer à un autre point extrêmement important. De plus en plus d'études montrent le danger du métal dans la bouche. C'est également une autre raison pour éviter de mettre des plombages. Tenez, à ce propos, savez-vous que de nombreux pays comme la Suède, l'Autriche, la Norvège, le Danemark, la Russie, le Japon interdisent tout simplement de mettre du plombage dans la bouche? Maintenant, je vais vous révéler une chose encore plus incroyable. Dans nos cabinets, nous, dentistes, devons être équipés de systèmes spéciaux pour récupérer les déchets de plombage que nous enlevons dans la bouche de nos patients. Pourquoi?
pour qu'il ne pollue pas la nature. Vous avez bien compris, nous avons le droit de mettre des plombages dans la bouche, mais en aucun cas de les rejeter dans la nature parce qu'ils contiennent du mercure. C'est quand même stupéfiant. Et pour terminer, si je vous parle de l'électrosensibilité des plombages, parfois le plombage fonctionne comme une antenne et entraîne des effets secondaires sur l'organisme. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas anodin de mettre un plombage dans la bouche. Autre chose, il y a une remarque qui revient souvent. Je ne comprends pas ce que vous dites, car j'ai des plombages depuis 20 ans qui n'ont jamais bougé. Oui, c'est vrai, mais ce que je vous dis est statistique. Cela ne veut pas dire que cela arrive dans tous les cas, mais encore une fois, ce sont les problèmes que l'on rencontre dans une très grande majorité de cas. Réfléchissez. Avez-vous des dents dévitalisées, des dents absentes? Combien de gens dans votre entourage en ont? Combien portent des appareils, des bridges ou des implants parce qu'ils ont perdu des dents? La cause est très souvent toujours la même. Les soins effectués n'ont pas été suffisamment étanches au départ. Mais attention, non pas parce que le dentiste n'a pas bien fait son travail, mais tout simplement parce que les matériaux utilisés ne sont pas assez efficaces. Encore une question qui revient très souvent. Est-ce que la résine ou ce qu'on appelle composite est une bonne solution? Le problème de la résine, c'est sa durée qui oblige à la refaire plus fréquemment. Et vous voyez bien qu'on en revient toujours au même problème. À force de creuser dans les dents, le dentiste se rapproche de plus en plus du nerf. Par ailleurs, la résine est souvent difficile à mettre en place et le joint résine-dent a souvent tendance à s'abîmer dans les parties profondes de la dent. Conséquence, des infiltrations, des caries, des dents dévitalisées et encore des extractions. Mais alors, au bout du compte, que faut-il faire? Est-ce qu'il y a une solution? Si oui, laquelle? Heureusement pour nous, la technologie a évolué. La meilleure solution est aujourd'hui Onlay Céramique 3D. Onlay Céramique 3D, qu'est-ce que c'est? C'est un concept dans lequel interviennent trois éléments. Le premier, l'onlay, qui sera la pièce en céramique qui va combler la cavité qui a été nettoyée dans la dent. Le deuxième élément, ce sera le bloc de céramique, donc que l'on visualise ici, ce bloc de céramique dans lequel va être usiné l'onlay. Après l'empreinte de la caméra, l'ordinateur va nous faire une modélisation 3D de la dent et nous voyons sur cet écran la zone qui a besoin d'être reconstruite. Les limites de cette zone sont schématisées par la ligne bleue que nous voyons ici. Nous allons ensuite lancer l'ordinateur qui va concevoir le morceau de céramique qui a besoin d'être usiné pour parfaitement s'adapter dans cette zone. Donc nous voyons maintenant que ici, le morceau de céramique qui va servir donc à remplacer la partie de la dent malade. Nous allons donc prendre ce bloc de céramique, l'insérer dans une unité d'usinage et à partir de là, l'unité va nous fabriquer l'onlay que nous schématisons ici. Donc c'est ça l'onlay céramique, c'est ça qui va s'insérer dans la dent. Donc après avoir lancé l'usinage, nous allons récupérer cette pièce et c'est cette pièce qui va être collée dans la dent. Onlay Céramique 3D, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un matériau qui remplace le plombage. Et c'est la meilleure étanchéité et la meilleure durabilité aujourd'hui. La précision de fabrication est fondamentale. Le morceau de céramique qui va boucher la dent a été usiné par un robot dans un bloc de céramique. Une empreinte optique de la partie de la dent à boucher faite au fauteuil pendant la séance de soins présente de nombreux avantages. La caméra voit tout, même dans les parties reculées des dents, difficiles d'accès à l'œil du dentiste. La caméra n'est jamais fatiguée, pas comme l'œil du dentiste en fin de journée. Onlay Céramique 3D est usiné par une fraiseuse à commande numérique, ce qui garantit la meilleure précision. Qu'est-ce qui fait que Onlay Céramique 3D est la meilleure solution? Premièrement, Onlay Céramique 3D est totalement étanche.
Honley Céramique 3D est collé directement dans la dent. Le collage permet de réaliser une étanchéité parfaite. Même au microscope, on ne verra pas de trou entre la dent et la céramique. Si je reprends l'image de la maison, par exemple, cette fois-ci, la maison est construite avec un toit véritablement étanche. Deuxièmement, Honley Céramique 3D est durable. La céramique ne bouge pas, ne s'abîme pas avec le temps. Vous comprenez pourquoi Honley Céramique 3D est la méthode la plus fiable et la plus durable pour soigner les dents et surtout pour les garder vivantes. Les dents restent vivantes la plupart du temps si les soins sont faits à temps. Par conséquent, moins de dents dévitalisées, moins d'extraction, une meilleure santé, une rapidité d'exécution, pas d'aller-retour fastidieux qui rallonge la durée des soins. Le traitement est immédiat. Maintenant, la question qui revient le plus souvent. Est-ce que Honley Céramique 3D coûte cher? Oui et non, je m'explique. Honley Céramique 3D coûte plus cher que le plombage ou la résine, mais seulement à court terme. Par contre, Honley Céramique 3D est beaucoup plus économique sur le long terme car vous n'avez pas à refaire sans arrêt les mêmes soins avec toutes les conséquences connues sur votre santé. Une autre question qui revient encore très souvent. Je voudrais absolument me faire soigner avec Honley Céramique 3D, mais je n'ai pas les moyens de tout faire dans l'immédiat. Quelle serait la solution? Ce n'est pas grave, nous allons établir un bilan global du travail à effectuer et nous allons programmer le travail dans le temps, à votre rythme, en fonction des urgences. Cela vous permettra d'étaler votre dépense. Vous pourrez ainsi bénéficier de Honley Céramique 3D pour une meilleure santé. Chaque fois que nous allons soigner une carie nouvellement formée ou bien une récidive sous un amalgame, nous allons le faire avec cette technique qui est de loin la meilleure. Je pense maintenant que les choses sont plus claires et que vous comprenez mieux pourquoi autant de dents sont dévitalisées, autant de dents sont extraites. En ce qui me concerne, je sais maintenant pourquoi j'ai mes trois implants et mes couronnes. Si j'avais soigné à l'époque mes dents avec Honley Céramique 3D, ou si j'avais changé mes plombages plus tôt, mes dents seraient plus saines et j'aurais évité d'en perdre. Par contre, j'ai soigné les caries de mes enfants avec cette technique et je n'hésite pas à en faire profiter mes proches. C'est le meilleur service que je peux leur rendre pour des dents saines et pour leur santé. N'attendez pas, faites confiance à Honley Céramique 3D pour éviter les dents dévitalisées, les couronnes, les appareils, les implants. Comme je l'ai fait pour mes enfants et mes proches, je souhaite de tout cœur vous faire profiter de cette merveilleuse technologie. Merci. Honley Céramique 3D est votre solution.